Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon sang, incroyable. On joue sous Wii. Allez, continuez sans sauvegarder. C'est parti, vous l'avez compris, nous allons jouer aujourd'hui à F1 2009. Et oui, F1 2009, parce que beaucoup de gens qui ont eu des consoles, on va dire, de troisième génération, PS3, Xbox, etc., ont joué au 2010, 2011, 2012, 2013, et j'en passe jusqu'à 2018. Mais si vous avez une PSP ou une Wii, eh ben vous aviez F1 2009, et c'est le seul jeu qui permet de jouer à la saison 2009 de Formule 1. Alors, continue sans sauvegarder, on va faire Wii. On va faire Wii. Faut vraiment que j'arrête avec cette blague de merde qui a au moins 10 ans. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, on va pouvoir faire un nouveau jeu. Alors, je joue avec la manette. Je joue pas évidemment avec la Wiimote, parce que je n'ai pas de console Wii, ni de Wiimote. Voilà, donc on joue la manette. On va changer le prénom. Alors, comment allons-nous nous appeler? On va s'appeler nouveau. Ah oui, c'est le prénom. Bon, ben, alors on va mettre ça. Voilà. Voilà. Nom de famille. Puis voilà. Et puis je m'appelle. Bon, alors on va mettre un nom de pilote de F1 comme ça. Ça sera plus simple. Hop. Voilà, on s'appellera Torarunosuke Takagi. Enfin, plutôt Kim Takagi. On a un surnom, alors le surnom c'est les trois petites lettres, donc on va changer les trois petites lettres avec bah, tout simplement Kim, hein, c'est le plus facile. Voilà, on va terminer. On peut changer la nationalité. Alors on a un choix de pays plutôt. J'ai envie de dire un peu réduit quand même. Attendez, on peut descendre. Alors avec plus on défile vers le bas. Mais comme je ne sais pas ce qu'est le plus, on est un petit peu dans la merde. Donc on va se contenter de... Non, j'aurais dit c'était ça. Bah du coup on va prendre Japon. Voilà, nickel. Le casque, alors on peut changer son casque. On en a que 5 disponibles pour le moment et je pense qu'on peut en débloquer 5 si je me réfère à ce qu'il y avait écrit en dessous. Alors Takagi il avait un casque ouais, qui est pas du tout de cet ordre là. On va prendre bon, allez, celui-là, de toute façon c'est pas très important. Il va faire confirmer. Alors, on a une des pilotages, on va les enlever, vous pouvez rêver. Pas de freinage assisté, l'ABS on va faire non, l'antipatinage on va laisser à oui pour le moment. On va faire confirmer. Alors c'est parti, on a un mode course rapide, un mode solo, un mode multijoueur, un mode option, dans la variété d'options d'ailleurs. En premier, on a le profil, les commandes, les aides au pilotage, l'audio, la position de l'écran, la paramètre de caméra. Ça m'intéresse. Alors caméra du jeu, j'imagine que c'est un truc... on va dire la caméra par défaut, j'espère qu'on peut la changer ensuite. Zoom caméra, vibration... La vibration de la caméra, oui, on va la garder, bien entendu. Voilà. Là, ça fait penser que, dites-vous bien qu'actuellement, les F1 paraissent moins spectaculaires, je vais y arriver, en caméra embarquée, tout simplement parce qu'il y a la stabilisation de la caméra, qui n'y avait quasiment pas à l'époque, ce qui fait que la carlingue vibre à mort, on a l'impression que la voiture a vibré complètement. Elle vibre toujours autant, enfin, toujours beaucoup, mais c'est la stabilisation de caméra qui fait qu'on n'a pas cette impression. Allez, c'est parti, on va faire un mode solo. On a donc week-end de Grand Prix, championnat, carrière, défi, contre-la-montre. Bah écoutez, je vais faire un petit contre-la-montre histoire de prendre un peu en main la voiture. Et là, donc, on a la saison 2009. Alors, donc, d'ailleurs, sur les versions Alpha, Codemaster a sorti son... avant de sortir son jeu, c'était la voiture de 2009, hein, au départ, qui était prévu. Finalement, ils ont fait la saison 2010. Alors, Kovalainen, Hamilton, là ça revient un petit peu en arrière effectivement, Massa, Raikkonen, Kubica et Heidfeld pour leur dernière saison avec BMW. Enfin, en tout cas, la dernière saison de BMW. Renault avec Alonso et Piquet. Merci le Singapore Gates, hein, ça l'a fait gagner un an de plus. Trulli et Glock pour la dernière année de Toyota aussi. Je rappelle qu'on est à l'année juste après la crise mondiale. Alors, on a ensuite Weber et Vettel pour... Ah ouais, quand je vois Vettel comme ça, là, sans les cheveux, ça fait bizarre, hein. Waouh, le coup de jeune, le coup de vieux pour nous. Rosberg, Nakajima pour Williams. Ah, même Rosberg, hein. Pouh.
flash, ça change. Soutil, physique est là. Chez Force India. On a Button et Brachio chez Brown. Bourdet et Bouhemi. Alors on n'a pas Algar Swari, qui pourtant a remplacé Bourdet en, à mi-saison. Alors, je sais pas ce qu'on va prendre concrètement comme voiture. Alors pour une petite Ferrari, on va prendre Bassin, puisqu'il y a eu malheureusement une très mauvaise année 2009, hein, comme vous le savez tous, avec l'histoire du... de la suspension, le bruit de suspension qui a tapé son casque. Alors voilà les circuits de la saison 2009, on va prendre... bah je sais pas ce qu'on va prendre 2009... Alors on va prendre Monza. Monza, Spa pardon. Et on va confirmer. Et on va faire un petit tour pour découvrir ce jeu qui, ma foi, je m'y attends déjà, est peut-être le plus mauvais des F1 sortis par Codemaster. Mais bon, on va voir si c'est vraiment vraiment mauvais ou si... on va dire que pour jouer sur une PSP ou sur une Wii, ça passe. Sachant que sur la Wii, il y avait le petit volant pour mettre, on mettait la Wii Mode pour donner l'impression qu'on tenait un vrai volant. Alors, on peut faire piloter, réglage, temps ou tour. On va voir le réglage. Alors, on a quelques options. L'aérodynamique. Ah ouais, vitesse. On va pas mettre tout pour la vitesse. Hein. On va mettre un petit peu entre les deux. 75. L'équilibrage, on va laisser comme ça. Rapport de vitesse, on n'est pas à Monza, faites pas déconner non plus. Suspension, on va laisser comme ça. Alors vous voyez en haut j'ai des touches que je ne peux pas utiliser parce que... bah parce que je ne les ai pas configurées, simplement. Je vous précise la galère en fait de configurer ce genre de truc avec une manette normale. Donc on va faire piloter, c'est parti. Alors on accélère avec... bon là je vous parle de la manette évidemment mais... concrètement, c'est avec les gâchettes pour accélérer ou freiner. C'est un truc que je détestais quand ça commençait à être le cas sur les autres courses. J'étais tellement habitué à mon petit bouton croix pour accélérer, carré pour freiner, enfin en tout cas sur PlayStation, que j'ai détesté ces passages. Enfin bon, c'est pas grave, on va se débrouiller quand même. Alors, on va commencer le circuit de sport. Si le circuit est bien réalisé ou pas. Je peux mettre une vue arrière, là, je peux voir que c'est pas mal. On va freiner. Ouh là là, attention, l'ABS qui nous fait partir à la dérive. On va réaccélérer. Alors, l'antipatinage est activé. Alors, normalement, c'est pas le cas en vrai. Voilà, par contre, quand on freine, là, si on freine fort. Alors, évidemment, ça va tapoter un peu. Hein, ça va être moins précis qu'avec la Wiimote. Alors, je peux utiliser aussi voilà, l'analogique pour tourner, mais comme je suis très nul, je ne le ferai pas. On a une indication pour son les virages. Je vais faire le menu start, tiens, je vais voir ce qu'on peut changer les options. Ah voilà, aide au pilotage, donc c'est ce qu'on a choisi tout à l'heure, on va laisser comme ça. Caméra, donc caméra TV, poursuite proche, poursuite lointaine, donc ça c'est pas mal. Extrémité, cockpit, ça c'est intéressant. Caméra TV, zoom caméra, on va le laisser. Disposition de l'écran, tiens. Indicateur de position, bah oui, un photo on va le laisser, qui est fantôme on va l'enlever, on va enlever le circuit parce qu'on les connaît à peu près, le drapeau on va les garder, dégâts oui, compteur de vitesse oui, avertisseur de virage non, ça par contre je trouve ça trop arcade, et unité de vitesse on va garder en kilomètre heure, donc on va faire ok, hop hop hop, reprendre. Alors par contre les sons du menu sont un peu particuliers, alors déjà je vais y mettre une grosse critique sur les graphismes. Bon sang, c'est quoi ces pneus? Ces pneus sont tout à fait dégueulasses, quoi. Mais même dans F1 2001, ils sont plus jolis, quoi. Je parle d'un jeu qui a 10 ans d'écart. Hein. Alors, au niveau du son de la voiture, c'est pas mal. Par contre, le volant me paraît un peu petit. Je trouve dans le cockpit, je sais pas, c'est bizarre. Alors, est-ce que je peux changer la vue? Ouais, donc on peut mettre la vue arrière. Alors, chaque fois que je freine, en fait, je bloque les roues. Hein. Tout simplement. On va voir si une vue... normalement, il y a une vue plus éloignée. Ça, c'est pas mal. Je peux changer pour mettre une... oh, j'ai une médaille de bronze. Je peux changer pour mettre une vue un peu plus... un peu plus loin. La vue arrière, ok. Alors, je vois que j'ai une barre orange, une barre bleue. Alors, la barre orange, j'ai l'impression que c'est quand je lâche l'accélérateur qu'elle descend. Ah bah non, même pas en fait. Même pas, même pas. Alors il y a sûrement une tour, une touche, parce que vous savez que c'était la grande évolution en 2009, hein, cette histoire de Kers, que la moitié des équipes avait et l'autre non. C'était un mauvais secteur.
C'était un mauvais secteur. Ah bah on a des commentateurs, parfait. Par contre je sais absolument pas qui c'est qui nous parle, mais bon, on dirait plutôt un ingénieur. Et donc oui, on avait l'apparition du Kers qui nous permettait d'avoir un surplus de puissance pendant quelques secondes et qui se rechargeait chaque tour. Et on n'avait pas encore le DRS, hein. C'était l'année suivante il me semble. Donc c'était 2010 le DRS. Et donc en 2009, ben, on avait, je crois qu'on avait Ferrari qui avait le Kers, on avait McLaren, on avait Renault. On avait aussi BMW, je crois que Toyota l'avait aussi. Je suis pas sûr Toyota. Je me souviens plus s'il l'avait ou pas. Je crois qu'il si, il avait Toyota, il me semble. Et le reste des écuries ne l'avait pas. Excellent secteur, merci. Et concrètement, ce qui se passait, c'est qu'en fait, les voitures étaient plus légères, ça qui n'est pas le cas, donc elles avaient un avantage, on va dire, global sur un tracé. Mais en revanche, quand il fallait accélérer au départ ou doubler, c'était plus facile pour la voiture qui avait le Kers, puisqu'elle avait un surplus de puissance assez énorme. Enfin, assez énorme, je crois que c'était 80 chevaux, mais bon, c'était quand même pas mal à l'époque. Allez, on va accélérer encore un peu. On a encore d'autres vues, je pense. Bon, on a la vue ras du sol. Yeah! Meilleur temps autour. Alors, la vue embarquée. On voit un petit peu ce que ça donne. C'est pas mal, on s'y croirait. Alors, ce que je trouve un petit peu dégueulasse, franchement, c'est les textures de la voiture. Elles sont super moches. Regardez, le sol, par exemple, c'est super bien fait. Je trouve que la piste est plutôt précise au niveau du revêtement. Mais la voiture est dégueulasse. Franchement, on dirait un enfin sur PSP, là. Bon, quelques tremblements là, dans le cockpit. Logique. Bon, je vois qu'on s'améliore un peu, ça c'est cool. Alors, en allusion des pneus, j'ai l'impression, parce que je vois les pneus verts sur la gauche. Et ce que je vous propose de faire, c'est... On va voir si notre vue, on a la même vue que tout à l'heure, ok. On va quitter. Et on va retourner au garage. On va carrément faire une course. Donc on va quitter là. Et j'ai gagné une médaille de bronze. Ah, c'est marrant, je pensais que j'avais une meilleure... Récompense débloquée, tour lancé, d'accord. Donc il y a quelques trucs à débloquer, ça c'est bien. C'est un bon point. On va faire... Oh, on a un mode carrière. Ouh, c'est bon ça. Rejoindre les rangs de meilleurs pilotes au fil de 3 saisons. Alors on va faire un petit week-end de Grand Prix, histoire de voir une petite course sur un tracé. On va faire un nouveau Grand Prix. On va prendre... allez, une BM, on va prendre Heidfeld. On va changer, on va mettre par exemple... Ah bah je veux voir Singapour. Alors, je vois qu'on a les paramètres avec X, les paramètres de course. Ah voilà, donc on peut choisir la difficulté, on va se mettre en... Personnalisé, c'est mieux, hein. Dégâts du véhicule, oui. Carburant, usure des pneus, oui. Météo, oui. On va être variable, tiens. Casse mécanique, à la liste qu'on va faire, je vous propose de faire variable, voilà. Casse mécanique, oui. Pénalité, on va mettre non. Et selon les adversaires, on a moyen, difficile, facile. On va les mettre en moyen. C'est parti. On va prendre Singapour. Genre de circuit auquel vous ne m'aurez jamais vu rouler dessus. On va faire une séance de qualification. Et nous sommes partis. En tout cas, l'interface est plutôt belle. C'est assez sobre. C'est très facile de s'y retrouver. Franchement, rien à dire dessus. Alors, on va voir un petit peu le circuit de Singapour. Comment il en refait. Grand Prix Singtel de Singapour, deux formules, c'est beaucoup de... Ok, bon, c'est parti. Nous voici à la première séance de qualification. Les 15 meilleurs passeront à la deuxième. Les autres se répartiront les places de 16 à 20 sur la grille. Atsa, quitte le garage. Bon, on va avancer l'heure un petit peu, histoire qu'on ait un classement. Voilà, 3 minutes, on continue d'avancer l'heure. Allez, 10 minutes. On va faire piloter. Alors on est lancé, tour lancé avec la BM. Allez c'est parti. Ah ouais non mais les textures de la bagnole, mais c'est immonde. Mais comment ils ont pu rater un truc pareil quoi. Parce que le reste en soi est plutôt correct hein. Bon on est sur Wii, c'est une GameCube un peu améliorée on va dire en performance. Même si ça reste en dessous d'une Xbox 360 ou d'une PS3. Mais quand même c'est... Enfin je sais pas, c'est largement plus puissant qu'une PS2. Les PS2 étaient capables de faire des textures plus réussies au niveau de la voiture. Alors c'est un tracé que je connais à peu près, mais bon, on va dire sans plus. Hein.
commence à virage à droite après, voilà, très serré d'ailleurs. Voilà. Alors ce qui m'intéresserait c'est de voir le Kers. Pour comprendre la barre en fait. Voilà, la vache. Ah c'est la barre d'essence en fait qu'on a à gauche, ok. Je viens de comprendre. Et le Kers ça doit être à droite. Alors là on a le virage qui a été retiré maintenant, qui n'existe plus. Oh là la vache. Parce qu'il y a pas mal de problèmes, je crois que c'était la voiture de... Je crois que c'est une Force India qui avait tiré tout droit. Oh là 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 là. Parce qu'elle n'avait pas pu freiner, elle est allée sur les vibreurs. Et le petit pif-paf dans les vibreurs en fait a été retiré. Normalement il y a un gros freinage après là. Ah non d'accord, ok on a déjà passé le virage. Ouh là je suis perdu là. On est déjà dans la dernière section j'ai l'impression. Alors ne m'en voulez pas hein, concrètement, c'est le tracé, je le connais à peu près mais je l'ai jamais vraiment fait en jeu donc... Oh, avec ces freinages là, il faudrait vraiment que je rajoute l'ABS à nouveau parce que c'est immonde. Alors on va essayer d'utiliser le Kers. Je pense que le Kers ça va être genre avec l'autre gâchette. Ah oui d'accord ok, c'est ça, c'est exactement ça. Oh là là je me suis loupé, on va mettre le Kers à fond. Et on a fait le 17ème temps, on va voir si on peut s'améliorer un petit peu. Weber est devant. Non, je reconnais pas, pas du tout la voix. On va mettre un peu de Kers ici. Voilà. Histoire d'avoir une meilleure vitesse de pointe. Ouh, j'ai tapé l'avant. Je m'en sors quelques dégâts. Je suis en avance au premier secteur. Bon, de 2 dixièmes, hein, c'est pas beaucoup. Ouais, les sources sont correctes, ça ressemble à peu près à ça en 2009. Hein. Barrichello vient de faire mieux que toi. Ah là là, mais qu'est-ce que je suis nul. Ouh là là. Ok, on a réussi à passer par miracle, je sais pas comment on a fait pour réussir. C'est par avant-coupe. Alors ce qui est intéressant c'est de savoir si par exemple une voiture qui a pas le Kers l'aura dans le jeu ou pas, ou si ils vont être réalistes jusqu'au bout. Oh, je fais 2 secondes du premier, mon sang. Plus que 5 minutes avant la fin de la séance. C'est pas grave. Oui mon tour est complètement dégueulasse, hein, je suis désolé. Il y a beaucoup de pilotes qui s'étaient plantés à ce virage là d'ailleurs. Ah, ils nous ralentissent automatiquement, je comprends. Tu as amélioré ton dernier tour. Ouais, je suis 16ème, quoi. Allez, c'est pas grave. On va faire retourner au garage. Puisque j'ai envie de tester le mode championnat, quand même. Si tu veux te qualifier pour la séance suivante, il va te falloir valider un autre temps au tour. Tu dois quitter le garage tout de suite si tu veux pouvoir boucler un tour avant le terme de la séance. Ouais, c'est pas grave, on partira à 17ème. 17ème position. Ouh, avoir du boulot pendant la course. Je me fais insulter par la... restants sont qualifiés pour la séance suivante. Je me fais limite insulter par le par les gens, quoi, par les spectateurs. Alors, on va voir les temps quand même, la séance de qualification. Weber qui part en pole devant Trulli, Button, Rosberg, Raikkonen, Vettel, ouais, c'était à peu près ça à l'époque. Hein. Bon, hormis Weber premier, on va dire, mais. Après 2009, c'était une saison où la hiérarchie était tellement bouleversée. Alors, certes, les Brown étaient en moyenne devant, mais on avait les Red Bull qui pouvaient, qui gagnaient, hein, qui avaient gagné. Toyota qui était vraiment forte à certains moments. Les McLaren qui se sont réveillés au fur et à mesure de la saison, les Ferrari un petit peu aussi. Bah écoutez, on va faire la course, on va voir comment ça se passe. Alors on a l'impression que l'HTS est un jeu récent, mais concrètement, il y a 10 ans le jeu quasiment. Allez, c'est parti. Le circuit de Marina Bay accueille la seule course nocturne du circuit de Formule 1. Son tracé est tortueux et son revêtement bosselé. Tant et si bien que la moindre erreur ne pardonne pas. Certains trottoirs peuvent être dangereux, alors fais de ton mieux pour les éviter.
Ah, Bohémie, 10e temps. Ouais, Toro Rosso, c'était les plus mauvais en fait à ce moment-là. Enfin, je veux dire, c'était l'équipe de Fonderie. Ils se sont bien rattrapés d'ailleurs en 2010. Même si effectivement, en 2010, il y avait aussi le HRT, Virgin, etc. Ils sont arrivés, donc ça a aidé un peu plus. Allez, c'est parti! On va faire un petit coup de cœur dès le départ pour prendre un meilleur départ. Bon, c'est pas transcendant comme départ, mais bon, ça devrait le faire. Ouah, wow, le freinage, bon sang! Alors, c'est vraiment que l'ingénieur qui nous parle, on n'a pas de commentateur, on n'a rien. Par contre, toutes les voitures glissent à mort, il n'y a pas que moi. Oh là là, ouais, j'ai pas beaucoup de grip. Je pense que je dois avoir des réglages de... Je dois avoir des réglages pour circuit, comme Monza à tous les coups, donc c'est pas du tout bon. Bon, concrètement, je fais un bouchon, hein. Je suis pas rapide du tout. Je rappelle qu'on est en médium. La télémétrie révèle un problème technique sur ta voiture. Rentre au stand à ce tour. Ah bah voilà. alors ça c'est pas mal ça. J'ai déjà abandonné quoi. Bon bah DNF. J'ai l'impression que c'est le moteur derrière qui est en train de lâcher, ouais. Je vois la petite fumée. Bon bah ça aurait été assez court finalement. Oh, les McLaren complètement à la rue, la Kovalainen 11e, Hamilton 14e, les Ferrari 10e et 6e. Bon ben voilà, écoutez, c'est les choses qui arrivent. Hein. On va faire retour, on va faire un mode carrière, ça m'intéresse. Et il y a un mode défi aussi. Allez, nouvelle carrière. Bon, on va garder comme ça. Si par contre la météo je la veux, l'usure je la veux, dégâts des véhicules je les veux. On va enlever la casse mécanique parce que j'ai quand même envie de pouvoir terminer peut-être une course. Alors, boîte de réception. Ah, une séance test. Ah bah ça par contre, ils ont rien inventé là. Ça existait dans F1 2004, 2005, 2006. Alors... Bon, on va tenter... circuit du Nürburgring. Accepter la proposition. On va faire retour. Alors j'ai personnel, actualité, recrutement, ok. Et Toro Rosso. Ok. Ouais, accepter la proposition. On va accepter les deux. Et on va faire séance suivante. Je pense que du coup on aura... Ah bah voilà, on a la séance test en Allemagne pour BMW. On va pouvoir essayer ça. Faut que je fasse un tour en 45. On va piloter. Je vais juste faire un truc. On va remettre l'ABS concrètement parce que c'est vraiment ignoble, c'est impossible de freiner. Sauf que je peux pas doser en fait. Donc, allez, c'est parti. Alors, normalement, on a une grosse épingle. Voilà, c'est la nouvelle version. Enfin, la nouvelle version. Pour les plus jeunes, on dirait que ça a toujours été cette version, mais en fait, non. Avant, il y avait la pif paf gauche-droite. Et là, on a une nouvelle partie lente. Qui d'ailleurs est pas mal, hein, l'épingle pour dépasser, c'est plutôt mieux que le pif-paf. Alors, enfin, il faut que je fasse une 45. Alors, je mets un petit peu du casse pour accélérer mieux en sortie, enfin pour une meilleure reprise de vitesse. Oh, il y a des sauts sonores là, c'est un peu bizarre. Waouh, attention.
Et d'ailleurs, Weber qui avait remporté sa première victoire à ce Grand Prix de Nürburgring, justement. Ok. Oh, ce cut! Ah, ils vont me refuser le temps, ça c'est obligé. Bah ouais, je vois le temps en rouge, là, ils vont pas vouloir. Allez, on va retenter. J'ai 55 minutes pour réussir. On va refaire une tentative. Alors, je vais essayer de pas couper cette fois-ci. Bon, le maniement est quand même très très particulier. Ça glisse de partout. Il n'y a aucune précision. On a l'impression que la voiture est flottante en fait. Il n'y a aucune sensation de route. Alors vous allez me dire, ouais, il faut jouer avec le volant de la Wii, enfin, ou la Wiimote, mais même quoi, enfin, c'est ultra flottant quoi. Regardez, je tourne droite-gauche, la voiture, bon, elle réagit. Certes, elle réagit, mais je sais pas, ça flotte quoi. Wouah! C'est deux fois que je prends le vibreur. Un peu de kers pour accélérer plus fort. Je gagne 6 secondes par rapport à tout à l'heure, mon sang. Et on va freiner au panneau 100 mètres. Voici. Voilà. Le kers en sortie et c'est bon. On a réussi 36. Donc objectif atteint, on va faire retourner au garage. Et du coup, on va faire terminer la séance. Et je pense que là, voilà, on a réussi. Donc j'imagine qu'on va avoir un baquet chez BMW. Bien sûr. 30 points au championnat. Allez, c'est parti. On va faire retour. Et on va faire commencer la saison. On doit faire ses preuves. Jamais il y a marqué sur la licence en haut là. On va faire donc l'Australie, séance suivante, c'est parfait. On va faire une séance de qualification histoire d'avancer un petit peu. Bon, les chargements sont plutôt courts, ça c'est bien aussi. Non, pour le moment c'est un jeu moyen, mais franchement, bon, ça va quoi. Il y a eu des jeux de Formule 1 bien pire que ça. Alors peut-être que la son PSP est encore pire. C'est parti pour la Q1. Les 15 meilleurs temps seront qualifiés pour la séance suivante. Les 5 autres occuperont les dernières places sur la grille. Il fait beau, on n'attend pas de pluie aujourd'hui. Ah, je veux l'héros, hein. Qui livre. Sort de son garage. On va le laisser comme ça. Rapport de vitesse, on va essayer d'avoir un. On veut mettre tout moyen. Voilà. On va faire retour. Avancer l'heure. Ouais, on va avancer l'heure un petit peu. Voilà. Et on va faire piloter. Alors j'ai vu qu'il y avait un mode pour regarder la séance. Alors Melbourne, je connais. Je connais bien le tracé, mais après dans le jeu, c'est autre chose. Les effets de lumière sont plutôt bien rendus. Franchement, c'est pas mal. J'ai toujours critiqué Codemaster dans sa série, parce que dans le 2010, 2011, 2012, il y a eu toujours cet effet de chaleur, de fin de journée, qui s'adrend très très bien dans les jeux. Hein. Je veux dire, c'est c'est magnifique. Mais c'est totalement irréaliste en fait, les F1 n'ont pas ça. Quand on me dit ça, bon, pour le Grand Prix d'Australie, parce que ça se court un petit peu en fin d'après-midi là-bas, et surtout en fin d'été. Mais là, non, c'est pas possible. Enfin, dans les autres, c'était n'importe quoi. C'est le gros défaut des jeux actuels, en fait, c'est que ils sont toujours pas réalistes tant qu'ils s'approcheront du côté carte postale.
que ça fait la vie qu'on connaît dans la vraie vie, tout n'est pas beau, hein, c'est gris, c'est terne, c'est pas des couleurs chatoyantes partout. Donc quand ils s'arrêteront de faire ça, le jeu sera magnifique. Et les derniers Codemasters, les derniers jeux de la série Codemasters, vont de plus en plus dans ce sens-là, ce qui fait que le jeu pour moi est un peu plus réaliste. Là ça passe, on a Melbourne, mais s'ils me font le même coup là sur les prochains tracés, j'irai, eh ben non les gars, c'est peut-être joli, mais c'est pas réaliste. Oh là, je pars totalement à l'extérieur, oh la vache, c'est parti. Allez, le cœur ça fond. Prendre de la vitesse. Bohemi, t'es en combien? Et t'es en 39, je suis en 37. Bon, bah ça va. Alors, je suis dans les premiers à partir, donc évidemment, les premiers temps n'ont pas été encore faits. Alors, je vais changer un peu de vue, histoire de vous montrer les autres vues. Même si elles sont pas spécialement précises. Regardez-moi ça. Alors quand on va dans l'herbe aussi, c'est pas très... Pas une histoire de réalisme, mais... Si, c'est une histoire de réalisme en fait, je crois que je dise non. Mais en gros, bon, c'est pas très impactant. Je suis carrément doué dans l'herbe. Hein. Là, je te coupe carrément. Bon, on tourne contre à pas. Donc on va faire retourner au garage. Ouh là là, on va faire terminer la séance. Tu occupes la deuxième position, bravo. Tu es qualifié pour la séance suivante. Eh ben c'est parfait, on va faire continuer. Alors je sais plus par contre si j'ai mis l'IA en facile ou en moyen. Et j'ai peur de l'avoir mis en facile. Bon c'est pas grave, on va faire séance suivante, c'est pas grave. Séance de qualification 2. Ce format qui existe depuis, depuis 2006. Avec la Q1, Q2, Q3. Alors il y a eu quelques arrangements, hein, évidemment, au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'à une période, les durées des trois séances n'étaient pas les mêmes. Les 10 meilleurs temps sont qualifiés pour la... Alors on va se mettre en vue cockpit entièrement. Oui, je disais, la séance de qualification depuis 2006 a quand même pas mal évolué. Par rapport au temps de qualification, par rapport au fait que par exemple, bon maintenant, les 11 derniers peuvent choisir leur stratégie par rapport au lendemain, enfin ce genre de truc. Alors qu'en 2006, c'était assez basique. Et puis on avait surtout les premières séances de qualification à l'époque où c'était du... La dernière séance de qualification était tellement longue en fait, était plus longue que les autres. Et du coup, ils brûlaient l'essence. Tout simplement. Donc c'était pas, ça avait pas grand intérêt. Bon, c'est une période évidemment où il n'y avait pas l'essence pour la course. Ce qui était le cas à partir de. Arrêté en essence, je crois que c'est à partir de 2011 ça s'est arrêté. Ou 2012. Voilà la vache. Pas évident. Après, c'est assez immersif, hein, complètement. Alors, si vous cherchez à revoir les Grands Prix de l'année 2009, j'ai une chaîne, alors je sais plus le nom exact, mais sur YouTube, qui permet de les revoir. Enfin, en tout cas, quelques-unes des courses. C'est pas une saison que j'ai aimé, hein. Concrètement, je pensais vraiment... Faut vraiment que j'arrête de dire le mot concrètement. C'est une saison où j'étais content de me dire ouais, il va y avoir une nouvelle hiérarchie, etc. Mais en fait, non, je sais pas, au bout d'un moment, on est habitué à une certaine hiérarchie et quand on l'a plus, ok, c'est mort en deux minutes, mais au bout d'un moment, bah, je sais pas. Ou c'est peut-être parce que j'étais pour McLaren, même les gens qui étaient pour Ferrari en fait. Ça a été vraiment le début de la cassure en fait avec les fans 2009. Alors 2014 c'est encore pire, mais 2009, il y a beaucoup de gens qui ont plus trop aimé. Et je les comprends, hein, parce que c'était plus le côté racé DF1, on revenait à DF1 plus simple. Je crois que ça sert à rien de faire un deuxième tour, on va faire retourner au garage. Histoire de faire une petite course. Tu occupes la première position. Terminer la séance. Premier, si tu réussis une bonne course, tu as des chances de marquer des points. Les positions 15 à 11 sur la grille seront occupées par...
Pizza, Wemi, Bourdet, Raikkonen, Hamilton. Alors ce qui est bien aussi avec ce commentateur, j'ai 3 secondes, voilà, on doit être en mode facile. Les 10 premières positions sur la grille de départ. Ce qui est pas mal, oui, c'est que le spotter est plutôt concis, rapide, et souvent on a tendance à trop parler, ça ralentit le rythme. Là on est bien, il dit ce qu'il faut. C'est ce qu'on veut. Séance de qualification 3, allez, c'est parti. Alors on va essayer de faire la pole quand même. Mais bon, je vais quand même 3 secondes au deuxième, donc je pense que ça devrait être faisable si je fais pas de bêtises. Donc on vous pourrait vous dire si vous avez envie de tester le jeu. Le mode facile est facile. Vraiment facile. Le mode moyen, par contre, ça a l'air vraiment un niveau dessus. Allez, c'est parti. Bon sang. J'ai complètement explosé la voiture. Ah, j'ai même pas utilisé le DRS, je crois, le DRS, le KERS, pardon, dans la deuxième séance de qualification. Je pense qu'on en profitera pour l'utiliser. En tout cas, je trouve le jeu plutôt... Bah, vu que le maniement est un peu arcade, d'ailleurs, plutôt fun, hein. Franchement, c'est pas mal. Mais bon, c'est clair que ça vaut pas les versions... 360 et PS3, hein. Même PC, puisque le jeu sortait sur PC. D'ailleurs, c'était bien hein, que Codemaster reprenne la licence F1, parce que les passionnés de Formule 1 s'étaient arrêtés avec Sony, avec F1 2006, et surtout, il y avait une exclusivité avec la console de Sony. Donc en gros, vous étiez sur un autre support, bah la F1, vous la mettiez là où je pense. Et du coup, Codemaster a mis fin à cette exclusivité, enfin, ils ont toujours exclusivité au niveau de la licence, mais exclusivité, on va dire, de la console de PlayStation. Et du coup, pendant ces périodes-là, de 2007 à 2010, bah, les ceux qui avaient des PC... Oh, une 32, j'ai complètement explosé. J'ai même pas utilisé le KERS. On va retourner au garage, et bah, tout simplement ils se dirigeaient vers des jeux PC où on pouvait avoir des mods qui reprenaient les saisons 2007, 2008, 2009, 2010. On va faire terminer la séance. Ouais, je l'aurais mis avant. Fantastique, tu es en pole position pour la course. Bravo. Les positions 2 à 10 sur la grille sont attribuées à Button. Barrichello. Alors les deux bombes en tête, oui, bah, j'ai envie de dire comme en début de saison 2009, hein, si on oublie moins. Hein. Ok, bah écoutez, c'est parti. On a débloqué une récompense. Ok. Et là, donc, on va faire la séance suivante. Hein. Et on va donc faire la course. On a combien ? On a pratiquement 40 minutes de vidéo. Bah, c'est parfait. On va faire une petite course et on s'arrêtera là. Peut-être une petite vidéo d'un podium, on sait pas, je sais pas ce qui est prévu. Si, on évidemment, on finit sur le podium. Voilà, le départ plutôt chaotique qui fait qu'on part à la première place, c'est les deux Brown qui prennent la tête. Avec, je pense que c'est Weber ou Vettel. Qui est troisième. Ah bah du coup on s'est complètement loupé. Alors vous voyez que les pneus par contre là sont froids. On a les pneus qui sont bleus. Donc on risque d'avoir un grip plutôt mauvais. Bah effectivement c'est ce que je ressens. D'ailleurs ça s'est un petit peu touché. Voilà les pneus passent un petit peu au vert. Ah, ce qui serait intéressant, ça serait de s'arrêter au stand aussi. Oula, j'ai l'impression qu'il y a une Brown qui a un souci là. Ou c'est moi qui accélère le rythme. Elle a l'air de bloquer un petit peu. Non, dans le portion 2, on est pas mal, donc je pense que c'est juste moi qui suis plus rapide qu'eux. Alors ce que je vous propose de faire,
finir. Oh, on va passer à l'extérieur. Oh là là, on va tout taper. Oh, on a perdu l'aileron. On a cassé la roue. Ouh, bah là ça a été pas mal. Ah, je suis plutôt surpris, mais surpris agréablement. Bah écoutez, on va rentrer au stand. En fait, j'allais dire, on finit la course et après on testera un arrêt au stand. Mais en fait, bon, c'est mort. Alors là, on va rentrer donc au stand. Tant pis pour la victoire. Je pense que j'aurais pu l'avoir. Ouais, j'ai doublé comme un sagouin aussi. Alors, comment se passe la rentrée au stand? J'ai cassé mon aileron avant. J'ai une roue voilée. Est-ce que je vais avoir des choses à faire en temps limité? Ouais. Alors, s'il met 5 secondes à tout réparer. Ouais, 7 secondes. Ouais, donc c'est pas du tout réaliste. 7 secondes à réparer la voiture, c'est un petit peu trop facile. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va emmener dernier. Attention à la ligne blanche de sortie. Alors, Masutil qui est 19ème, Nakajima 18. D'ailleurs, en parlant de Sutil et donc de Force India, je me suis quand même posé la question. Je me demande si, quand ils sont arrivés en 2 minutes, Force India, bon, ils reprenaient une équipe totalement exsangue, hein, parce que Midland était passé par là, Spiker, etc. Mais je me suis dit, bon, quand l'année 2008 a été catastrophique pour Force India, enfin Force India. Catastrophique dans le sens où j'étais dernier pour voir. Mais en 2009, ils ont commencé une voiture qui était pas mal. Ils ont marqué leur premier point d'ailleurs cette année-là, puis on a vu aussi avec Fisichella qui faisait la pole à Spa. Et puis après, l'écurie a complètement explosé dans le sens où 2011, 2012, 2013, jusqu'à l'époque qu'on connaît là, l'équipe est devenue une équipe de milieu de tableau et parfois plutôt performante. Et je me suis demandé si c'est pas justement ce changement drastique entre 2008 et 2009 qui leur a permis de devenir une équipe de milieu de tableau. Parce que si on était gardé les F1 comme en 2008, en 2009, 2010, etc., c'est-à-dire qu'on n'est pas trop changé en règlement, je pense qu'ils avaient tellement de retard qu'ils auraient peut-être réussi au fur et à mesure, mais je pense qu'ils n'auraient pas réussi les mêmes résultats. On sent comme je glisse. Bon, c'est notre dernier tour, on va essayer de pas finir en dernier. Je vois deux voitures devant nous. Tu rattrapes Sutil. Sutil. On est carrément plus rapide que. Bon, après, c'est le mode facile. Nous nous emballons pas trop. Alors, oui, je passe comme un. comme si j'étais dans l'instruction de Derby, hein, mais bon, écoutez. C'est pas grave. C'est la remontée extraordinaire. On est dans le dernier tour de la course. Bon, alors il y a Piqué qui est complètement en glissade. Il est en train de doubler, il est passé 17ème, il est en train de prendre la 16ème place, la 15ème, il est en train de dépasser Fisichella. On fait toucher, non? 15ème place, Alonso, 14ème. Je doume, mais là il n'y a pas de niveau, hein. Le niveau facile. Oh, il m'a ralenti artificiellement. 13ème. Doublage à l'extérieur, un coup de Kers pour la fin. Et voilà, bon, fini 12ème. Alors, ce qui est bien, c'est que les voitures se ralentissent net une fois la ligne d'arrivée franchie. Alors, donc c'est Brown qui a gagné, Vettel 2ème, Barrichello. C'est marrant parce qu'on dirait le résultat exact. Et non, parce que Hamilton avait terminé dans les points, puis avait menti en disant que Trulli avait passé safety car, il me semble, donc du coup il avait été disqualifié. Bon ben voilà, écoutez, donc du coup on marque pas de points, mais bon j'aurais marqué des points de toute façon si j'avais pas accroché en un mode facile, donc c'est trop facile. Le système de points, c'est la dernière saison d'ailleurs où on a que le système de points du 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
saison 2009. Et puis après, on va passer au système des 25 points qui a été énormément décrié justement parce que ça faussait tous les records. Maintenant, on n'en parle plus trop, mais bon, ça a quand même faussé les records. Alors, qu'est-ce qu'on a? Personnel, bienvenue, actualité. On va mettre résumé de la cour. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent tous? Semblait peu en forme sur le circuit de Melbourne et on repart sur le moindre point. Les fans du pilote bien loué Sauber ont été déçus par sa piètre course. Il faudra se reprendre rapidement. Alors s'ils ont été déçus que je fasse la pole dès le début d'une carrière, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, on va les croire. Bon, quoi qu'il en soit, bah écoutez, bon, le jeu est moyen, très moyen concrètement, mais il est plutôt fun, franchement. Il voudra pas ses homologues consoles 360, PS3 et PC. Mais ça reste un jeu de F1 pas mauvais, hein. Concrètement, c'est pas mal. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la prochaine. Et je vous dis ciao tout le monde!